Je sais pas à quoi ça sert les femelles dans une espèce, à ton avis. Mais pourquoi la mission c'est de les C'est libérer pour alors? parce qu'elles sont pas infectées par le génophage. Donc ça permettrait au Krogan de retrouver un taux de natalité normal. C'est quoi génophage? C'est une mutation génétique inventée par les Galariens pour réduire le taux de natalité des Krogan. Seul un enfant sur 1000 est viable. En gros, il n'y en a qu'un seul sur 1000 qui crève pas à la naissance. Qui a inventé cette maladie génétique? Les Galariens. Ils ont filé ça aux Krogan. Bah, parce que les Krogan se reproduisaient trop et trop vite, et du coup, ils réquisitionnaient les colonies et ils étaient entrés en conflit avec les Turiens. Comme les Galariens sont grands copains avec les Turiens. Et moi, je suis en pleine séance de snipe. J'adore ta Vrex qui essaie de défoncer un mec avec son fusil à pompe. Alors que la cible elle est à 100 mètres. Aïe, enfoiré. Bonne espèce de machin de jeu qui flotte là, wow. Et en fait, s'il te plaît, ne dis pas le nom des mecs que t'affrontes. C'est important pour la suite. S'ils ont pas de nom, c'est juste un type d'objet. Dis juste que t'affrontes des tourelles et des connards en armure, ça suffira. Ah, ça arrive par dessous là. J'adore Vrex qui tire aux pompes sur 100 mètres. À moi, il fait planer. Ah, j'avais eu peur. Bon bah ça me saoule là, j'ai 150 frags. Merci Garus, ça fait un petit moment déjà qu'on les a zigouillés. J'essaie d'obtenir un succès où il faut faire 150 frags au fusil à lunettes et ça me saoule quoi. On en a pas fait beaucoup. Hein. Quoi ça? Wow, c'est quoi ça? Quoi ce truc? Non, moi j'ai joué à Dark Souls, alors plus rien de tout m'impressionner, mais c'est pas tombé sur Atlas là, par hasard. Santé, la saleté, hein. Sur Atlas. Enfin sur un Atlas. J'avais fait démonter par une tourelle. Ouais, ah, ces trucs sont vraiment efficaces dans la coop. Ils en déploient assez souvent des toiles, en tout cas ils essayent. Bon, il est peut-être temps de... Wouah! La mercenarie 5. Alors je la prends. Il y a trop de boucliers. Et comment je lance une grenade? T'as pas de grenade dans le jeu. Enfin, dans Mass Effect 3, il faut aussi dans les compétences. Si tu l'as acheté, et c'était soldat. Il n'y a que Mass Effect 1 où t'en as. Et si je suis franc-tireur? Ah bah... Vérifie si tu peux l'avoir dans les compétences, mais sinon tu l'as dans l'os. J'ai cassé une tourelle, je sais même pas comment. Dieu m'aide. Ah attendez, il y a une incendiaire 5. Ah oh, bah on a tout récupéré, on peut se barrer. Bon. On s'occupait de la sonde. Faut finir d'explorer les derniers systèmes.
Bon bah, on va bientôt, on va en ira en premier sur Noveria, une planète gelée. Va être sympa. Ah, mon téléphone sonne. Seconde. Du polonium, yeah. Emblème turien. T'as un mec qui ne m'appelle, il me fait. Allô, Angus, viens ou bien? Je fais mes numéros là. Voilà. Je ne m'appelle pas Angus. Hein. T'as un mec qui me fait continuer votre émission, oui ou non? Bah, je suis comme enculé, alors je vais dire non. Bon, mais qui va dire non, quoi? Je sais pas. Là, on va atterrir sur une planète volcanique. Alors bon. Et c'est quoi un biotique? Bah, c'est comme un Jedi mais sans le sabre laser. Et il peut pas lire dans les pensées et ni te convaincre par la force. Mais en somme, il peut te balancer au sol, te balancer contre un mur, te balancer des objets dans la gueule, se créer une barrière renforcée, un bouclier renforcé. T'as un chien qui est en train de démonter un truc? Je sais pas, il est avec moi le chien? J'en ai aucune idée, je t'avoue, là je vois pas. Bon, allez, à l'anomalie d'abord. Ah, Varenne, non, c'est pas avec toi ces trucs. C'est un soldat qui ne s'est pas explosé violemment par un Varenne. Ah, il peut être hostile à tout le monde, hein. Je sais pas honnêtement s'il y avait tout ou pas. Et je me rappelle pas d'un Varenne. Peut-être que t'es allé plus loin que moi dans la démo. En même temps, c'est pas difficile, moi, la mission 2, j'ai juste fait le début. Je crois que j'ai juste dézingué quelques mecs au début et puis c'est tout. Victorium. Wow! Maintenant, j'ai ma nouvelle armure toute rouge. Je suis en train de me faire démonter par un centurion, je sais pas si c'est, je suis Ah ouais, un centurion. Ouais, parce qu'ils ont commencé à mettre un espèce de système de grade, genre vous avez le simple soldat, vous avez ensuite le centurion, ensuite vous avez d'autres machins, enfin bref. Complètement pété. Ah là, tu t'es vu. C'est bon ? Une seconde, je raccroche. Oh merde, on a roulé sur le galarien. Oh fuck. Est-ce qu'on peut encore... Oui, on peut encore le fouiller. On peut pas que le KF puisse se détruire, mais si elle m'a co dessus, bah... Ça peut ne pas créer l'entité en fait. Entité pour pouvoir le fouiller.
Oui, alors excusez-moi, on reprend le tournage. Hein, enfin, même si non, je pense pas parce que vu que je suis obligé d'enregistrer sur un deuxième logiciel ma voix. Bon, il faudrait que j'arrête les deux et enfin, il y a toujours minimum une seconde de décalage entre, entre les deux logiciels, c'est pas énorme, c'est pas génial. Donc j'arrête les moins souvent possible. Jean-Bierre, Air Max, pas quoi, ça c'est pour tes pièces d'armure après, quand tu pourras les modifier sur le Normandie. Mais je pense pas qu'on y ait accès dans la démo. Formation d'assaut, ça servira pour plus tard. Carnage amélioré. J'adore les textures qui mettent du temps à s'afficher. C'est immonde. Agent Cerberus, oh fuck. Je m'en charge. Ah, je suis encore mort. Je comprends rien, c'est quoi c'est vrai, j'ai rien piqué. Putain, mais il fait chier aux notes là, il se met devant. Du coup, il a absorbé le tir. Bam, il est touché. Non, il a pas crevé à ma place. C'est qu'en fait, j'essaie de tirer. Il y a pas. Bon, moi je vais y aller parce qu'il faut que je. C'est qu'il y a pas de tir allié dans Mass Effect. Du coup, il a pris le tir et mon arme elle a surchauffé pour rien. C'est un sniper, j'ai pas une grosse carence de tir. Ouais, c'est chiant. Et sinon, qu'est-ce que tu voulais dire? Que je vais pas tarder à y aller parce que. Parce qu'il faut que je fasse mon rapport de stage. C'est vrai. Mais tu me dis dès que t'as posté la vidéo, ça sera pas au moins avant la semaine prochaine, je crois. Ah merde. Ça, faut qu'elle ait posté. Ouais, elle le sera, mais je t'ai dit, je sais absolument pas quand. Parce que déjà, il y a, l'aventure Skyrim qui a priorité, donc bon. Ça, déjà, ça va me prendre au moins tout le dimanche. Mais bon, Skyrim a priorité. Non, non, c'est parce qu'il y a cette priorité, je suis désolé, c'est Dark Souls. Hein. Ouais, donc déjà, il faut que je poste ça, après il faut que je m'occupe de Mass Effect, et après il faut que je fasse et après voilà. Donc ça devrait être au cours de la semaine prochaine, que je devrais commencer à les poster les épisodes. Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi ils veulent aider la femelle Crogan? C'est pour lutter contre les moissonneurs, ils sont obligés d'unir toutes les races de la galaxie. Ah, et vous faites les Krogan leur ont donné cette ouais, cette mission, ça doit être quelque chose dans le genre. Enfin, j'en sais. Quoi, c'est une infirmerie? L'infirmerie? J'ai pas entendu, c'est Mika. C'est quoi, c'est une infirmerie? C'est peut-être un truc qui sert à te soigner. J'ai appuyé sur A et puis ça m'a rien, ça m'a donné un kit de Medigel. Bah ouais, le kit de Medigel. Tu vois, dans la roue des pouvoirs, t'as une capacité qui s'appelle Unité. Bah, ça sert à soigner. Mais ça soigne tout le commando, donc bon, et ça consomme une unité de Medigel par mec à soigner.